Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans le Debug épisode 7, si je me trompe pas. Je pense que oui. Si je me trompe, regarde, vous me trollerez dans les commentaires. C'est un live, mais c'est live, mais ce n'en est pas un. En fait, ça aurait été enregistré hier soir. La petite raison, parce que je ne serais pas disponible, c'est ça, le vendredi soir en live. C'est ça, j'ai des petits trucs familiaux qui ont besoin de mon attention, donc je ne serais pas disponible. Donc, on s'est quand même dit, après la semaine de vacances de Sam, où c'est qu'on s'est gâté quand même, on a pété le boss de Gaglut, le boss des plaines, off-screen, entre gang, entre nous autres, la semaine dernière. Puis là, on s'en va péter le boss des Miss Lan, The Queen. Fait qu'on a Sam à qui j'ai passé mon armure des Ashland, parce que j'ai été beaucoup dans Ashland dans cette semaine, fait que j'ai passé mon armure pour qu'elle le top. Il y a Max à qui j'ai passé mon autre armure que j'ai faite, que je me sers pas, mais qui est super content de l'avoir. Puis je vais être votre mage ce soir, je vais être le magicien. Donc, c'est fun parce qu'on a une triade là, un peu rondeur. Ouais. Il n'y a pas vraiment de classe. Le trio verra, le warrior, le mage et le rogue. Exactement, quoique question d'orientation, de skill, c'est un peu comme dans Skyrim pour ceux qui connaissent ça. C'est-à-dire, vous pourriez avoir toutes les skills nécessaires pour être tout. Ouais, quasiment. Mais j'ai une vie, j'ai un chum. J'ai une vie. Chris, à un moment donné, c'est ça. Je veux dire. Fait que moi, je me suis concentré un peu plus sur les arbalètes, là, puis l'arc. Good. Ouais. On s'est déjà. De face avec des haches. On s'est déjà équipé en conséquence avant de commencer l'enregistrement. Donc, on est tout prêt. Fait que là, on s'en va en bateau vers. Je monte sur la map en ce moment. Vers le boss des Miss Lan, qui est au sud de ma base. Il est juste ici. Pour ceux. Ça intéresse. Donc, on s'en va, messieurs. On part dans la mer. En passant, ouais, mon bateau, j'ai installé des catapultes sur mon gros bateau. Ouais, je me suis gâté un peu. J'ai essayé de péter des locks sur le bord. Non, ça ne passe pas par là. Fais le tour. Je te conseille, là, il y a un glitch autour de ça. C'est ça. Tu prends des dommages. Ouais, c'est ça. C'est un glitch, là. Ben là, la glitchation, on est moins... En espérant que la prochaine page le règle, là, c'est que quand on est proche d'une des catapultes, je sais pas pourquoi ça fait un genre de glitch que tu reçois des dommages quand t'es dessus. On va prendre l'autre bateau. Oh, ouais, non, parce que là, avec les catapultes que tu, le malus, le côté négatif, c'est que ton bateau est beaucoup plus lourd, donc il est beaucoup plus lent avec les catapultes. Bon. Ça marche, mais ça se prendrait genre trois fois plus de temps, puis je veux pas que les auditeurs se passent la première demi-heure chez nous voir ma pas gagner, là. Fait que celui-là, ça va. Ben, anyway, je pourrais même pas passer dans Rivière avec ce bateau-là. Fait que j'ai pas le choix de prendre le long ship au lieu de prendre le Drakkar. Mais quand on va se rendre, c'est sûr que quand on va se rendre, quand le jour où c'est que le Deep Nord va être disponible, c'est sûr que même si ça va me prendre plus de temps, je vais monter là avec mes catapultes pour être prêt à toute éventualité qu'on va rencontrer sur ce territoire-là. Mais ça va être un autre jour, comme dirait l'autre. Ça va être une autre fois. Là, je viens d'apprendre en direct que. Abonné à AMC. Ok. C'est pas la gang qui faisait de. C'est pas la gang qui fait The Walking Dead, ça? Ouais, c'est ça. AMC, ouais. The Walking Dead. Ouais, I'm subscribed to this channel. La série que j'ai lâchée après 5 saisons parce que c'était la même maudite cursus puis répétition à chaque maudite it's fois. It's Mr. Columbo to buff this shit and don't advise me. En passant, okay. vous avez vos potions de résistance au poison, messieurs? Oui. Parfait. Good. Et au poisson aussi, j'ai une résistance. Au poisson et au poison. Au poisson. Au poisson. À quoi c'est ça? J'ai été dans les Ashland cette semaine. Je suis mort de nombreuses fois. On m'informe que il y a quelqu'un qui s'est abonné à ça sans ma permission. Je vois le compte de crédit. Je suis comme... Pour écouter l'estat. Ah, ça c'est M. Colombo. La voisine. Cette affaire de vampire fifflin, là. Et je vous informe que ce soir, parce qu'on est jeudi, hein, comme mercredi, j'ai été quand même assez modéré, on parle de le cocktail de la soirée. Oui. Et 2 onces de rhum coco. 2 onces de rhum brun de canne à sucre. On parle également d'une demi-once de sirop simple fait maison. On parle également aussi de 3 onces de jus de mangue. Aussi. Avec un petit peu d'Augustura au besoin. Vous shakez ça, non pas à la cuillère.
Si vous désirez ajouter un peu de pétillant, les sodas sont préférables. Ceci c'était la fin de la rubrique cocktail. C'était la fin de la chronique cocktail de Samuel Rasmussen. Cocktail. Cock and tail. Moi, je peux dire ça sur YouTube. Le cock and tail. De queue. Est un peu traumatisante. J'ai mes armes, c'est la moitié du kit communiste. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Parce que quand j'ai vu le truc, c'est si la dague serait un marteau, tu serais officiellement le communiste de Valheim. Ouais, fait que la fois que je l'ai pas dit, messieurs, c'est que c'est ça le boss de Queen, son truc à elle, c'est qu'elle est lente, puis elle est sur 3 levels, mais elle peut comme rentrer dans le sol puis spawner ailleurs sur les 3 niveaux. Le truc, c'est un peu de ce que j'ai vu dans les boss beating, là, ça a l'air, c'est qu'il faut comme un peu jouer à chaise musicale avec, là, parce qu'il y a comme des escaliers tout au long. Là. Fait que, mettons, on essaie qu'elle nous court après, puis qu'on attaque un peu, elle nous court après, on attaque un peu. Fait que le but, c'est pas nécessairement de l'engager head front tout le temps. C'est d'un peu la faire bouger un peu bien les places. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai en ma possession, car les auditeurs vont le voir parce que je les ai pas dit encore, mais j'ai une carte Joker en cas de pépin dans mon arsenal de mage qui va peut-être pouvoir nous aider. C'est une carte à double tranchant, par contre, là, mais si j'active ça, il va juste falloir qu'on se mette à l'écart et on la laisse faire sa job, mais en tout cas, ça risque de peut-être être pratique. Mais je vais garder le punch pour le moment venu. Mais là, à toute fin pratique, comme dirait chacun des intervenants de tout Yann et Frank, la bobite, la boss des Miss Land, ça doit être possiblement une grosse bobite, parce qu'on s'entend c'est que c'est la Queen. Miss Land, exactement. Non, c'est pas Freddie Mercury, non, c'est The Queen. Ben, c'est ça que j'allais dire, Chris, tu vas gosser mon punch. Elle va-tu chanter « I want to break free » Non, t'as brisé c'est... mon delivery, je suis comme Vincent Gelozo. Elle va chanter « The show must go on ». Ou « Or the miss must go on », peut-être, ouais. Ouais, c'est plus « miss », ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est vrai, moi, le parlant. J'ai pensé à construire les trucs, mais je vais aller le chercher à la maison après avoir porté le portail, parce que j'ai pas de simple bois pour faire la crafting station, pour faire les j'ai le composant pour faire les torches, mais j'ai pas le bois pour la crafting station. Fait que ouais, parce que l'intérieur de la dite crypte et compagnie, il y a de la brume partout. Mais si on met des petites torches de Wisp à travers la dite crypte, on va voir plus clair. Et pour ça, bien évidemment... On va voir clair? Clair. Comme Claire Lamarche. Alors, on rejoint Stéphane? Oui? Qui a perdu son père? Là, visuellement, c'est pas intéressant parce que je dois nécessairement décalisser des... Décalisser. Pardonnez-moi, là, ce soir. Grosse semaine. Débouler des marches. En fait, débouler des marches, c'est soit Justin Trudeau, soit Claire Lamarche. Claire, elle a manqué si ça marche. C'est pas une joke vraiment drôle. C'est un calembour très stupide. Mais que voulez-vous qu'on dise quand on est présentement dans un concept où Joey essaie d'éviter les récifs. Des récifs d'une rivière, pas tant. Hein? Ben, des récifs littoraux. Plus les roches, je te dirais. Hein? Ben, des roches, des récifs, des falaises. Des hauts fonds. Ben, je te dirais que je suis assez habitué à cette rivière-là. Fait que les bouts à éviter, je sais pas mal, ils sont hauts. Je pensais que tu les avais creusés avec ta pioche. Non, pas vraiment. Non, ça, sérieusement, c'est all natural. T'sais, all natural. C'est pas moi qui ai creusé ça. Là. Non, c'est. Je vous dirais que ça aide beaucoup parce que quand vous voyez la map et la longueur de ce style-là, le fait que je n'ai pas fait le grand tour toutes les maudites fois puis je peux passer par cette rivière-là, je te dirais que c'est. Comme dire l'autre, c'est le canal famille. Là. C'est le canal principal. Bon, là, le bateau lag encore. C'est le canal famille. Quoi? Parce que quelqu'un, s'il met en avant du bateau, fait que là, le bateau lag. Ben voyons, donc, c'est donc ben niaiseux, ça. Ouais, c'est stupide. Il fait. Il va le faire jusqu'à ta consacosse, là. Regardez, là, si votre tante Monique, elle a un ponton, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, prenez-vous, là. Si vous vous mettez en avant du ponton, vous allez bugger.
Bienvenue, messieurs, dans le couloir des... Dans la, j'appelle ça le fleuve des Mislands, parce que tout le long, ben, vous le voyez un peu sur la map, tout le long de l'ouest en ouest, c'est quasiment uniquement des Mislands qui sont coastal de ce couloir navigable-là. C'est assez spécial. Je pense que ma petite navi, qui est ma lampe de poche d'aile, que vous voyez au-dessus de moi, qui... Mon ocarina. Quand je dis, je connais tellement ça, on est comme tout le monde. Au début, on pensait que Zelda, c'était le nom du gars qu'on jouait dessus. Non, il n'y a personne qui a pensé ça. J'ai jamais pensé ça de ma vie. Moi, oui. Non, mais tout le fait, j'y jouais pas à ces jeux-là. Le plus proche, ben, c'était bien avant moi. C'est plus la génération de mon cousin, qui est comme 4 ans plus vieux que moi. Là. Mais... Oh, je suis vieux. Ouais, je suis content d'apprendre ça. Vous savez que je vais avoir l'âge du Christ, moi, dans... J'allais dire dans une demi-heure. Dans un mois, c'est parce que j'ai juste envie de me crucifier. Pas game que d'aller à confesse puis faire la messe, puis quand t'arrives pour donner le corps du Christ, tu dis j'ai l'âge du Christ, peux-tu en avoir deux? Ouais, mais je suis apostat comme toi. Ouais, moi tout. Apostat. On est tous les deux apostats. De choix en passant. On n'a pas été kické out parce que c'est pas, on a fait des actes obscènes. Oui, oui. Non. Un apostat, c'est pas quelqu'un qui est quitté out. C'est quelqu'un qui a quitté volontairement. Sinon, on appellerait ça. On appelait ça, dis-je, hein, faut que je me reprenne. Voyons. C'est vraiment passant, ça se peut qu'il y ait des ennemis à l'entrée de la dite truc des Mislands, qu'il va y avoir quelques seekers à buter. Je dis ça comme ça. Peut-être pas manger votre bouffe tout de suite, là, mais je vous dis à peu près quand. Là. Les petits jus, c'est pas juste pour les lunchs, Carlis. Dominus Vobuscum. Renvoi de l'état clérical. Non. Oh, apostasie. Eh, mais c'est en way, let's go. Condamnation. Roi canonique. Quoi, on est dans un bateau, puis on est dans un silence, ma foi, funeste. Le calme avant la tempête, ça. Une tempête. Ecclesiam Orientalis Codex Canonum. Bon, mauvais bord, excusez. Il va falloir que je prenne un grand trip. Je cherche le. Oh, j'ai tourné trop loin. Hey, pouvez-vous, ben, je vais mettre en quête là. Pouvez-vous sortir du bateau pour remonter dedans? Parce que ça, le fait que le bateau lag, ça m'écœure un peu. Ça sera pas long. Parfait, rembarquer. Quand quelqu'un se fait crisser dehors de l'église, on dit qu'il. Excommunié. Ouais. Sam. Ah! Non! Je t'avais dit de rembarquer. Ah non. Hi Sam! J'ai besoin de me noyer. J'ai bugué, en fait. Bon, fait que je... D'où l'expression « je suis biche bugué ». On va passer par la... Ça. Ça va passer par la gauche, finalement. Ça va aller mieux. C'est quand même très épique, là, la façon... Souvenez-vous, au premier épisode, on avait l'air à des paysans... On avait l'air à flirter dans notre propre merde. Oui. Et maintenant, nous sommes... La peste bubonique. Et maintenant, nous sommes des soldats légendaires. Allant buter un puissant ennemi sur une terre tout sauf hostile. Tu sais qui joue de quoi en attendant, là? J'ai l'idée, je pense que ça doit être un... C'est le VP des États-Unis. C'est un candidat à la vice-présidence qui dit « J'ai eu 24 petits gars dans ma classe. Il n'y en a pas un qui est allé à Yale. Ben, » voyant là, quel cave qu'on a comme candidat à la vice-présidence. Oh, ça passe-tu là? Et c'est bon. Il y avait une affaire qui était plus claire avant de passer. Ça va frotter, messieurs. J'allais dire quelque chose d'excessivement vulgaire. Non, ça marchera pas. On va prendre un petit peu de l'eau. Moi, je pense que ça peut marcher si vous sortez du bateau les deux secondes. Ah, c'est quoi, tu vas le TP ou quoi? Ah, tu vas utiliser ton truc pour le pousser, c'est ça? Ah, ouais. Hit the wolf of wolf and do not take the hat. Ça me fait penser dans. Ça me fait penser dans Bob l'éponge, là. Ah! Ah, je vais reculer. Ce sera pas long parce que là, à cause de l'élan qu'il m'a donné, c'est ça.
Ouais, ben, tu peux-tu arrêter le bateau? Ben, je suis en mode d'essayer de le ramener. Je suis en train de mourir. Ça me fait penser dans Bob l'éponge. Allez, c'est bon, ça passe. Avec le bateau de l'Hollandais volant. Avec un petit peu de popper peut-être, là, mais... Petite tête en crise, comme dirait si bien Molière. Bon, là, on est du bon bord. OK. Fait que là, on y va pour de vrai. Bon, même si le bateau lag à nouveau, je m'en crisse. Ah, ben ça, c'est à cause que je t'attends. Ouais. Ouais. Hey, on est vendredi demain. Oh, c'est quoi ça? Oh, un au fond que je me suis pas rendu compte, bah c'est pas grave. Et on va buter le Seeker Soldier. Et on Oh non. Il fait du bruit en sacrement, lui, hein? Ah, oh, c'est pas le moment. C'est pas le moment de se faire attaquer par ça, surtout pas le bateau. L'embrasseur va péter le bateau, messieurs, là. Va péter le bateau, enlevez-les de là, si vous la tirer là ailleurs. Restez pas dedans. Là, je vais crever. Yeah! Ok, c'est cheap. Pas trop. Ah. Ah. Oh, efface-moi. Ah, cibole, pas du bon bord en plus. Voyons donc, je suis jamais là, cibole. C'est quoi cette affaire-là? Jamais là? C'était pas un... Non, pas le temps. Les jokes placent pas le temps. Right now, c'est not the time. Je file pas pour ça. Bon, je pense que je suis du jamming, là. I think. Non. Non, je suis royalement jamming, là. C'est con. Ben, ça me laisse finir. J'aime ça quand je finis quelqu'un. Ouais. Bon, ben, y a-tu quelqu'un qui a du bois? Je vous en prendrai 7. Ah non, c'est correct. Non, sincèrement, il n'y a pas tant de. Je suis stock, puis je suis même pas. J'ai même plus de GMM. Non, non, mais le bateau est correct. Ouais, il a été réparé, mais c'est ça. Je suis quand même bloqué encore là. Il est réparé comment? Magie, c'est-tu, moi. L'impression. Là, je peux. Il fait la révérence. Petit hors de jeu. Mais monsieur, je suis encore. On peut pas aller nulle part, je suis bloqué là. Bon, je vais débarquer du bateau. Attends, je dis ça. Okay. Wow, peut-être. Attends, on dirait que c'est ça. À coup de vague, je vais finir par l'avoir. Là. Ah ouais, il y a un petit peu. Je pense qu'on va l'avoir, peut-être. Ça coûte de petits coups. Mais... Un autre niveau. Ah ouais. Non, il veut plus, là. Ottawa intervient pour relancer les chemins de fer. Bon. Il impose l'arbitrage exécutoire pour prononcer l'impasse. Oh, parce qu'on l'a. Bon. Merci, M. McKinnon. Il est comme un gyal. Un jawl. Bon, on continue notre péripétie légendaire qui a l'air un peu trop latique avec ce qu'on vient de vivre. Bon. Pourquoi il est de mon devoir, de ma responsabilité d'utiliser les pouvoirs qui me sont conférés en vertu du Code canadien du travail afin d'assurer la paix industrielle et fournir des solutions à court ainsi qu'à long terme. C'est tout dans l'intérêt national. Bon. C'est McKinnon, good. La foi que. Parce que c'est contraint avec des mesures étatiques, mais lorsqu'un syndicat aurait tendance à paralyser le pays ainsi que les intérêts de la majorité, comprendrait ainsi qu'il serait complètement illusoire de dire ben là, on fait affaire seulement dans le domaine individuel puis droit de contrat. Là, c'est l'État qui engendre le problème avec l'État. Donc, il est de son devoir absolument et de son devoir discrétionnaire, par ailleurs, de, permettez-moi, dans la langue de Molière, de déconcalisser cette lutte sordide que devront se heurter les Canadiens. Je veux dire, sincèrement, là, imaginez, là, le train n'arrive plus, puis le mazout n'arrive plus, puis le pétrole n'arrive plus. Ça va être beau, ça.
On vient des vacances de construction. Check bien ça, bonté. C'était la rubrique félicitations au gouvernement fédéral après beaucoup de temps de Trudeau qui. C'est quoi? C'était rien certain. Moi, être membre du Parti libéral, je comprendrais pas. Je comprendrais pas ma propre existence. Moi non plus. Donc c'est ça. Ça va être ça pour l'instant, mais c'est ça. Ouais, on vient d'apprendre ça. The fuck, il y a un quénin là, puis je m'en suis jamais rendu compte. What? Un quénin? Non, à droite. Un quénin? Ah ben mon dieu, il y a des quénins! Des quénins, des quénins, des quénins. Si tu brises les poutrelles, tu vas avoir accès à des minéraux intéressants. Non, c'est plus les caisses qu'il y a sur le pont, puis ce qu'il y a à l'intérieur de la petite boîte, c'est ce qui est important. Ben, allons-y donc! Non, là, on n'est pas là pour ça. Ok, fait que là, le truc, il va falloir que ouais, je passe par là. On arrive dans pas très longtemps, messieurs. C'est bon, ça. Si vous voulez prendre votre bouffe tout de suite, c'est le temps. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, now is the time. J'ai eu peur. On voit qu'en moi, un sentiment de... Ah, je les vois, les fameux... je la vois, la fameuse entrée, là. C'est drette là. Drette en facette. Ouais, oh, puis il y a des ennemis, je les vois là-bas, là. Les voyez-vous, là? Les ennemis? Ouais, droite en avant. Un genre de château, là? Ouais, là, là. It's the one. Puis il y a déjà un Seeker level 1, une étoile qui garde l'entrée, possiblement d'autres. Seeker Soldier ou Seeker de coup? Ah, il y a un nain. Ah, on va aider le nain. Ben oui. Oh, Colin, il est mauve. Ça, c'est une étoile. Je vais accoster. Berg, je vais accoster le bateau. S'il vous plaît, le faire sortir de mon bateau. Oui, mais... Oh bon, il y a... Ouais. Ok, il y en a plusieurs. Là, il y en a beaucoup. Watch out! Hey boy! J'avais dit qu'il y en a plusieurs qui allaient garder l'entrée. Hein. Ah, le nain a droppé un soft. Ils font mal. Ils font vraiment mal. Pourtant, j'ai une armure qui est quand même pas si mal. Il y a un soft tissue, qui c'est qu'il veut? Moi, je peux soft tissue. Ah, mais Max l'a pris. Bon. Lui qui peut avoir tout. Bon, ok, j'ai la clé, inquiétez-vous pas. Mais qu'est-ce qui est marqué là? Mysterious Reed. Mec. We seal the door and scatter the key, leave her be. Not bon me. Ok, fait que ça sera pas long. On va justement installer le portail qui amène directement à chez nous. De toute façon, on va y retourner pour pogner le buff rested, messieurs, si vous voulez tout venir. Ouais, on va buff rested. Ouais, le buff pour donner, c'est un boss ça aussi. Là, vous mettre à côté de moi à peu près ici, de avoir le Comfort 17. Tu peux te mettre dans le spa? Non, ici, Sam. Je vais dans le spa. Si vous avez à 17 de confort pour pogner le 24 minutes. 17 de confort? Oui, monsieur. Ouais. Il n'y a rien de beau pour la classe ouvrière. Il n'y a rien de trop de beau. Bon, je l'ai. Parfait. Fait que c'est le portail ici, c'est ADV. Adventure. Ça veut dire acide des Ribot. Acide blanc. Ouais, je pensais qu'il manquait juste Game Boy en avant pour faire Advance. Ok, messieurs. Préparez-vous. Là, on rappelle la stratégie. À seconde qu'on entre, le but c'est d'installer une crafting station. Ah, puis regarde, je vais prendre celle qui est ici. Puis je vais. On installe des torches le plus possible, les torches de Wisp, là. Puis... torches de Wisp. Ouais. Si vous avez parce que le problème avec les torches de Wisp, ça prend du Yggdrasil Wood. J'en ai pas. Ouais. Puis justement, le but, c'est d'en mettre le plus possible pour qu'il y ait le moins de brume possible pour qu'on puisse voir clair. Parce qu'il y a 3 levels, puis vous voulez pas tomber, compagnie. Alright, ready? Yep. Non, mais on y va pareil.
T'avais pas l'air d'être scellé, pantoute. Ouais, parce que je m'en suis servi du truc, là. Ah, il voulait vraiment qu'elle reste en dedans. Ouais, c'était ça que je voulais dire par ça, mon enfant. Attends. Mon cadenas. Ok, c'est un loading. Oh, oui, comme je dis, c'est un donjon. La première affaire, je vous ai dit tantôt. Attendez, la crafting station, je vais la mettre ici. Je peux-tu? Can be placed in a dungeon. Comment ils font? Oh! Ah, bon, on peut en, les Wiss, on peut en installer une sans nécessairement avoir. The Queen. Bon matin! Et qui est pas belle. Attaquez-la pas directement. Là, je vais essayer de faire le tour le plus possible avec les torches. Je l'ai attiré sur moi. De toute façon, c'est moi qui ai le plus de mobilité. Là, ouais, mais elle peut comme se mettre dans le sol puis se téléporter. Ou en tout cas, là, c'est comme. Elle peut se téléporter. Ben, mais avec, c'est la même chose que se téléporter. On dirait José Legault quand même. Oh, c'est cruel. Attendez, je vais faire le tour. Là. Ok, le troisième niveau a pas de brume dedans. Arrête de vivre. Droit à ses opinions. Quelle opinion? Ah! Bye bye, je m'en vais. Et... Ouais. Il a peur que... Non. C'est pas ta meilleure amie? Non. Parce que si je l'attaque frontalement avec un arbalète, va-t-elle... Ça va faire mal, sûrement. Oui, je l'ai... Donc bien fatigant les Seeker Blood. Ouais, c'est parce qu'en fait, t'as pas en craché, c'est ça l'affaire. C'est un peu ça que. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout. La garde ses ITSS pour elle-même, là, tabar. Ah, sinon, il y a des torches qui sont en train de péter. Ouais, je sais, je suis en train d'essayer de les remettre, là, parce qu'il faut pas que je les mette trop dans le paf pour trop qu'elle avoue, là. Ok, bon, messieurs, regroupons-nous au PC. Ouais, je suis en contact avec toi. Sam. C'est le temps des pouvoirs, tout le monde. Power Rangers. Power Rangers! Oh, go Power Rangers! Elle est sensible ou elle est pas sensible à rien? C'est vrai, potion de résistance au poison activée. Je l'attaque. Attention, elle a callé des Seekers, watch out! Hey, je vais juste sortir au volet. J'en ai pété un. Voyons donc. Ok, il y en a un deuxième qui m'attaque, là, ça va pas long. Ouais, elle me fait reculer quand même pas mal, la tabac. Ouais. C'est quoi ça? Mais là, le but, c'est justement, c'est de la faire bouger, là, parce que l'attaquer de front, des fois, c'est pas ce qui est le top non plus, là. Ben, c'est la seule façon, parce que ouais, Pierce, ça fait pas grand-chose. Ah oui, les dommages de Pierce, ça fait, c'est pas si pire que ça. Non, pas tant que ça. Hey, alors, ça va m'en prendre 873. Ah, pétez mes torches, la tabarnache. Watch out, Sam. On dirait les elfes dans StarCraft quand même. Ouais, il y a comme une certaine inspiration, je pense. En fait, il y a une inspiration d'Alien également. Donc, Alien a inspiré StarCraft. Ok. Elle m'a spawné d'en face, la tavernouche. Elle va très vite quand même. Mais le but c'est de la faire bouger justement sur différents étages là. Elle ressemble un peu comme la Sagouine. En fait. C'est ça, elle vient de se téléporter, non pas vraiment. Alors, callé des Seekers. Watch out!
Ah! Where is she? Oh shit. Ouais, mes attaques de hache, je tombe pas tellement. Non, je pense qu'il est bon contre elle, c'est Massu. Watch out! Ou du moins qu'il est bon. Il y a le Seeker Brood qui arrive. Ouais, ça va être des Seeker Soldiers tantôt. Peut-être. Je veux dire qu'avec mes dacks, elle est où la tabarnak? Elle est en bas. Faut continuer à aller en bas parce que c'est là qu'elle est. Pendant 2 secondes, je me pensais pour un parachutiste militaire. Ok, voulez-vous que je sorte ma carte secrète, messieurs? Par contre, il va falloir que vous vous tassez de là. Il va falloir que vous vous éloigniez ma de la carte secrète. Ouais. J'essaie de monter, mais ça marche pas. Hey, parce que, poison, parce que je vais summoner quelque chose qui risque de pas nous aimer, mais qui aimera pas la Queen non plus. C'est un peu, je vais peut-être monter un peu dans un contexte de monter. Ok, j'y vais. Ah! Des stickers partout. Ici, ouais. Ah, c'est téléporté, tabarnak, watch out! J'ai summoné un troll? Ouais, mais il attaque autant nous autres qu'elle, fait qu'elle est pas proche hein? du tout. Ouais, j'ai summoné un troll undead de feu, ouais. Un troll undead de feu? Ouais. Il nous attaque plus qu'elle. Non, non, mais il attaque les deux. Mais faut juste. Allez-y, elle est juste pas proche du troll, sinon oui, ils vont nous. Tabarnouche. Ils vont nous attaquer aussi. Faut qu'il attaque la boss. Mm-hmm. Faut qu'on l'attire pour qu'il attaque la boss et non pas nous autres là. Ok, ouais, il est là. Ouais, c'est une magie extraordinaire ça, les choses qui s'attaquent à nous-mêmes. Ouais, ben c'est peu, c'est ça. C'est, on va dire, c'est. Quand ça. Oh, elle s'en va dans. Dans l'antre de la terre. Elle a dû se rendre au plus haut level. Bon matin! Ouais, pis le troll va falloir l'amener jusque là. Parce que il va nous suivre, mais. Ok, je la vois, la madame. Ah ouais, elle est là. Mais faut amener le troll vers elle. Ouais, parce qu'elle, elle change pas d'étage. Je pense que c'est ça, c'est qu'elle switch entre les trois. Ok, parfait, laissez le troll attaquer. Ouais, elle est. Le feu, ça lui fait bobo. Elle va s'attaquer au troll. Ah non, donc elle focus sur nous autres, hein. Elle nous aime vraiment pas. Attendez. Les flèches de feu, on a pas pris, pareil. Étonnamment. J'ai mis un bouclier. Ah oui, un bouclier à nous autres. Ok. Et ça protège certaines quantités de dommages. Attention, on vient de respawner en arrière de nous autres. Ouch. Oh, veux-tu arrêter là? Ah, le troll a rien peut-être du brood en bas, c'est drôle. Ouais, on a pris les bonus. Okay. On a perdu les bonus des. Ici. Il nous reste 13 minutes. Ah, si, ils ont pété le troll. Ah non. J'ai pété la brood là. La brood? Je m'en spawnais un autre, hein. It's a pretty much inconvenient. Je m'en spawnais un autre. Ah, ouch. Remonter. Je suis en train de mourir, là, présentement. À la bosse, c'est revenu en haut. Ah! Ah, ben, regardez. Et c'est bon, on est coincés entre les deux, watch out. Torsez-vous. Sauter. Ah ben. Sauter, vous avez des capes de plume anyway. Fait que. Laissez le troll s'occuper, il va nous protéger. Ouais. Understand now. As-tu fait tomber le troll en bas?
Non, 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 c'est elle qui pousse quasiment le troll plus bas parce qu'elle elle nous suit, nous autres. Elle sait. T'es où, là, Max? Oui, j'ai sauté en bas. Je la trollais en l'air. J'ai tué deux Seekers. Watch out, il y en a un derrière vous autres. Je vais pouvoir me faire une cape. Une armure qui va... Elle est remontée en haut, je pense, parce que... Ah non, elle est en bas. Elle est là. Je lance des boules de poison, puis ça a l'air que ça y fait mal, ça aussi. Oui, oh, oui, mais tout ce qui est dommage magique, justement, de. Attendez, je vais mettre proche de vous autres. Oh, watch out, ouais. Watch out, watch out, watch out, watch out, tombe, sautez, 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 ah! Sautez. Correct, t'as encore envie. Bon, ok, attendez. Ah, Max, c'était un peu trop loin parce que je peux ouais, plus te... J'ai vraiment bien fait de m'équiper d'un Tower Chill. Ça... C'est que la merde. Au moins, il n'y a pas de Seeker Soldiers. Ouais, au moins, il y a ça. Ah, pas aussi. Elle a sacré son camp, quelque part. On va monter en l'air. Oh, bye. T'es où là? Watch out, t'as le troll est derrière toi là. Ouais, ben elle est en avant, elle est en face du troll. Bon, au moins, le troll va lui donner quelques coups là. Ouais, elle l'attaque direct. Tirez sa queen, it's the time! Shoot it's the fucking the queen! Ah! Elle m'attaque. C'est ça, elle focus sur nous autres, elle est pas conne. Elle sait que le troll c'est une distraction. Mais c'est pas pire, on est quand même déjà à moitié de point de vue, autant que là, c'est vrai que les... C'est vrai que là, les ça se... Les Seeker qui me Seekerise. Il te Seekerise. Hey, solide, pareil. Ouais. Pour ça que je vous disais, si vous devez quitter le... Si vous devez quitter le donjon pour retourner pour vous réparer vos trucs et compagnie, ou vous reprendre le buff, parce que là, on est à 10 minutes 30 dans mon cas, là. Ok, elle vient de quitter... Mm. Elle vient de... Ok, elle leur spawn à la même place. C'est le fun de la mettre en feu, on la voit bien. Ouais, ça aide. Ouais. Puis moi, je la gèle avec, avec ma magie. Avec la magie. La magie. Le troll, il est putain fort. Ouais, mais il sert à quelque chose parce que les broods l'attaquent. Fait que pendant qu'il attaque le troll, mais il nous attaque pas nous autres. Fait que il sert de diversion. Hey, petit brood de tabarouette. Ah, ben moi ça va bien contre les petits brood de mon encore. Ouais, mais quand c'est des gros, c'est une autre histoire. Oh, attention à la queen. Ah, bon matin. Ouch. Attends, prenez votre bouffe, moi je suis rendu, faut que je rebouffe une autre fois. Ah, ben il me reste 10-15. Je peux plus bouffer rien. Je peux rebouffer un peu, mais je vais attendre un peu. Ah, chais ça. Attendez. Tenez. Bouclier. Hmm? Bon, Activé bouclier. Ouais. Eh, ok, est en bas. Elle est là, ta parouette. Elle est dans brume. Elle m'a fait un Stephen King, la tabarouette. Elle m'a fait un Stephen King. Ouais, fait que tout ce qui est dommage élémental, ça a l'air à y faire beaucoup mal. Ah! Ben moi, j'ai rien d'élémental, j'ai juste du physique. Ah, le troll est plus là. Attendez, je vais essayer de respawner le troll. Bon, il y a plein de monde qui essaie de m'attaquer. Il y a comme 800. Oh, tabac. Ouais, ouais, oh, non. Ouais, excuse-moi, mais c'est comme pas moi qui décide où c'est qui spawn quand je vise à une place. Excuse-moi que ça tombe sur toi. Oh, merde, je suis pas de crever, c'est si bol. Oh, ma vie. Mais bon. Voilà. Hé là! Watch out, watch out! Montez, montez! Je suis en train de prendre une potion de magie.
en feu. Bon, ben, elle est quand même presque morte. Elle va-tu se transformer en une autre bébite après ça? Hi, palais! Une chance qu'on joue des boucliers, hein? Tabard. Je la trouve fine, moi. Fine comme une matante Rita. Oh, les matantes Rita. On va l'avoir, les boys, on lâche pas. Par contre, il reste, si possible, il reste 7 minutes à notre rested buff, puis si on pourrait la buter avant les 7 minutes, parce qu'après ça, ça va être rough, pas mal pour nous autres. Bon, elle va... Elle est en haut, watch out. Attention, il est beau dans l'arrière, ça monte, monte. Je m'en vais... Mettez-vous proche, je vais vous remettre un shield. Ah, c'est vrai, utilisez vos potions aussi pour le poison, si vous l'avez oublié. Ouais, je vais le remettre. Ouais, je l'ai mis déjà. Ok, elle est là. Oh. Ah, là. Watch out. Les trucs qui crachent, c'est ça qui donne du poison, là, puis qui lance des broods, là. Ouais, y'a pas moyen de l'approcher, la tabac. Ah non, au corps à corps, elle est forte, là. C'est The Queen. Oh. Ah, c'est sûr qu'elle a l'air de la madame sur les billets de 20 piastres. C'est horrible. Les dommages de frost, ils font quand même pas mal de dégâts. Fait que... Ah, oh, là, c'est vrai, le troll, il est-tu mort ou il est encore en bas en train de se battre? Je le vois plus, ton troll. Je vais leur spawner. Hey, mes dommages d'arbalète, là. Voyons. Au moins, t'as les meilleurs bolts qu'on peut se procurer. Oh, elle a eu quand même pas mal de dégâts, là. Ouais, ben, j'ai lancé mes flèches de. Je sais pas si je pense que les attaques à Joey ont fait vraiment mal, mais sinon, j'ai lancé mes deux affaires. Ah, les dégâts magiques, elle a pas l'air d'aimer ça, je pense. Ouais, ben, c'est ça, j'ai fait ma flèche de feu, puis après ça, j'ai lancé une bombe de poison. Voulez-vous remonter, être proche, je vais vous donner un shield. Je suis dans la marde, là. T'es où, Sam, là? À côté de la reine. Ouais, monte. Ok, attention. Ok. Shield is back. Ça dure pas trop longtemps, mais... Là, la reine, elle s'est téléportée quelque part. Ah, oh, elle se bat contre le troll en bas. Ah non, elle est remontée. Ah! Bye bye! Au moins, Au moins, t'as genre, t'as la cape de plume, Sam. Moi, je serais mort. Ah oh, ouais, tu serais mort. Je serais décédé. Mais le truc avec elle, c'est qu'il faut pas avoir le low ground. T'sais, faut faire comme Obi-Wan Kenobi, faut avoir le high ground avec elle. Sinon, elle est plus tough. Ah, oh, elle se bat contre le troll. It's over, Negan! I have the whole ground. Oh shit! Et oh, si, bah, y'a du monde à la messe. Over, Anakin. Y'a du monde à la messe. Bye bye. Ouch. Watch out, le troll derrière nous autres. Le troll est derrière nous. Watch out. Sautez. J'essaie de sauter, mais j'ai plus de dextérité. Voilà. Où est-elle? Je l'entends. Elle part ici de quelque part, là. Hey, là! Elle m'a encore fait un Stephen King à ta barouette. Stephen Kingisation, lui. Ah! C'est quoi ce son de mort, là? Elle a recalé des ennemis après nous autres. J'ai vu, ils sont pas mal tous après moi. Oh! Je me sauve. Bien, Sam. Grazie mille, bella ragazza. Bien. Ah! Il y a beaucoup de seekers. Watch out le troll, watch out le troll, Sam. Il est proche de toi, là. Bonjour. Où est la chère marraine-mère?
Elle est là-bas. Elle, où c'est que je tire en ce moment? Elle est presque décédée. Elle est en feu. On la voit même. Le monde est en feu. Let them burn. Bon, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. La reine est en train de me tuer. Ah non, fuck. J'ai plus de potions. Je reviens prendre l'aggro, même si j'ai pas beaucoup de vie. Juste pour faire YOLO. Wow. T'as plus de potions quand même. L'aggro catalyse. J'ai plus de... Sors, ah, sors non, du donjon, non, Sam. Non. Sam, va, sors du donjon, va te relayer à la maison, puis reviens, ok? Ouais. Prends le portail. Non, non, mais c'est pas si pire. Je suis. Bon, fait que Max, en attendant, faut qu'on se crée, puis faut qu'on. On ouais, après, faut qu'on survive. T'as-tu des potions? Es-tu correct? Ouais, j'ai ma potion de soin. Moi, je t'en fais me relayer, tu vois. Ok, ouais, good. Parfait. Attends, je vais te. Je vais te donner un shield. Okay. La reine est après moi. Et ensemble, t'as pas pu quitter le donjon, puis la reine est après toi. Oui, oui, la reine est après moi. Ok, comme reste à l'entrée. Hein. Ben, reste, non. Bouge pas. Elle me. Ben. Pendant qu'elle bouge pas, je peux la. J'essayais de bouger, mais elle m'a propulsé à l'extérieur du don. Il en reste pas long, on va l'avoir, messieurs. On va l'avoir, il reste une minute à notre buff rest. C'est le dernier. Ouch. The end of the road. Aller là. C'est là. Yeah, pétez-la, 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 pétez-la. Time for the dagger. Yes. Long live the queen. Watch out, SRL troll, faut gérer avec, là. Avant de partir, ben, probablement, je vais péter le troll, là. Ah, c'est le fun, les dommages de frost, ils font des... Ben, regarde, le voilà, il est pété. Les dommages de frost, ils font des dommages critiques. Voulez-vous qu'on loot la place en attendant, puis ramasser les torches, là? Oui. Oh, watch out, Seeker. Je suis pas dans le même bout. Yes, good job, les boys. Bravo, messieurs, bravo. C'était tout un combat, faut le dire quand même. Ça va, ouais. Il n'y a pas d'action. Bon, là, je suis à 300. J'essaie de ramasser mes whisks que je suis capable. Là, en plus, je vais en laisser une partie ici. Si on veut rebuter le boss une autre fois, au moins, ça va être fait. Là, je sais que là, pour la prochaine fois, si jamais il y en a qui veulent le refaire, ça va prendre des trophées, justement, de Seeker Soldier pour la spawner. Ah ouais. Ouais, parce que genre elle spawn automatique la première fois, après ça faut comme la. Ben Sam, toi qui voulais du marbre, il y a du marbre partout ici. Ouais, mais le marbre est très lourd, quoi. Ouais. Tu peux juste aller dans un donjon nain pis. J'entends des seekers plus haut. Je vais watcher un peu, par exemple. Seek and destroy. C'est qui a le trophée en passant? Okay. Moi, j'ai du Majestic Carapace. Ouais, Majestic Carapace, t'avais ça que vous allez, qu'on va pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire, là, l'extension. Ouais, Majestic Carapace, j'en ai deux. Moi aussi. Ouais, c'est ça qu'après ça, vous faites le Artisan Press. Ah, ben enfin, je pourrais dire que j'ai buté de manière fair and square la boss des Miss Land, esprit. The Queen. Ben, the freaking Queen. Ok, je comprends pourquoi qu'on entendait des bébites. On l'a. Ils sont où? On s'est pillés. Ah, ils sont morts. Ah, ok, il y en a qui étaient jammés, genre. Ouais. Je me demandais aussi, j'étais comme moi, hein. C'est facile d'être jammé. Bon, ben écoutez, messieurs, on. Mais c'est bon du jam. On quitte et on va au cercle de pierre pour célébrer et faire le fameux rituel habituel. Ouais. C'est dommage parce que avec le gobelin du level 5, ben, oups. Au portail. On aurait pu entendre Nazi. Ouais, mais je pense pas qu'elle parlait, elle. Ah, ben moi, il y a mon nim qui voulait me parler. Elle faisait. Mais elle était grosse, en tout cas, hein. Je vous l'avais dit. She's big. Elle faisait penser à Fat Princess.
À Gorlock de Destroyer. Ouais, Gorlock. Master Gorlock. Ouais, c'est vrai que Fat Princess est un peu plus. Je sais pas si je pourrais dire cute ou pas, là, je sais pas quel terme faut utiliser, en tout cas. Non, pas bah, cute. Elle est moins morbide. C'est pas le premier mot qui me top pop en tête pour être bien franc. Pas... Moins gore. Tiens, on va y aller de même. Moins ouais. Gore. Fait de la grossophobie. Ce sera pas long, je veux juste, juste porter un peu l'autre que dans mes affaires ici, ça sera pas bien long. Bon, ben, je vais te redonner ton stop, mon brave. Ouais, pas, ben après. On va aller au cercle de pierre. Là. C'est ici le portail, monsieur, pour le portal room. Là. Hello? Ouais. Hey, salut. Bon. Spawn. C'est... Iset. On va t'attendre, Max. C'est quoi, qui tu vas attendre? Hein? Hein? Ah, oh, t'es... of course. C'était trop salatant. Slenderman. Fait que, you ready? Ouais. Et bâtins! Faster meaning with Aether Regeneration. Ah ouais, on peut miner plus vite, hein? Ouais. Puis le Aether, c'est pour moi, c'est pour les mages. Arrête. Regarde, elle me fait un colleu. Oui. On fait un colleu à la reine. Ah, je l'avais. Ah, tu peux pas sauter dessus, Sam. Oui, je pouvais. J'ai resté poigné dessus. Là. Ah, ça doit être à cause du... Madame? Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est le crochet que tu restes à côté, c'est ça l'affaire. Ouais. Moi, ça paraît bien. Bon, fait qu'il en reste un. La pierre marque a father noble and proud. He soared through the skies of fire. Then madness lured its shroud and warped his heart's desire. Ah. L'air fin. Après ça, ça va être funny. Ben, c'est funny. Jusqu'à temps que la Deep North sorte, puis il va y avoir un dernier boss après ça. Techniquement, ça, c'est comme l'avant-dernier boss. La pierre n'est pas encore là, mais ils vont la rajouter dans la prochaine méga update. Mais là, ça va aller dans... Deep North, ça va être une autre affaire de neige? Ouais, mais ben en fait, ça va être en fait, les Ashlands, c'est les territoires les plus au sud de la map, puis le Deep North, c'est les territoires les plus en haut de la map. Techniquement, tu pourrais y aller en ce moment, c'est juste que c'est une grosse... La seule différence, c'est que c'est une grosse terre de neige qui n'a pas un chat là, puis ouais, il y a du saumon à pêcher là, puis des grosses plaques de glace que tes bateaux peuvent comme casser. Il y a de la glace qui flotte sur l'eau, mais à date, il n'y a pas de mob là encore. Ça va être pratique parce que sachant que, voyons, on va avoir avec les Ashlands des armes de feu, des affaires de même, ben arriver dans le Deep North, mettons, puis tout des créatures de glace, mais tout on a des armes de feu, ben ça, c'est pratique. ça, c'est certain. Mettons, moi, capable de spawner un troll undead de feu, ça aussi, ça va être pratique. Bon, ben là-dessus, regarde, on va récolter les feux de notre labeur. Ah, ben justement, ben, en voulant. Vous me laissez juste deux secondes juste pour que je puisse avoir mon shield generator. Pour ça, je vais vous accueillir à la forteresse des Ashlands. Hi Sam. Oui. Es-tu prêt à te battre? Non. Voilà. Il est solide, hein? Il est bien solide. Wow. Avec Vincent Loup. Ben voyons encore, Alice. C'est quoi cette affaire-là? Check! Oh non, je pense que j'ai une diarrhée! Oh, finally. Je pense que Max a poigné la diarrhée. Quoi, il fait rien. C'est quoi, il prend juste des puke berries, puis.
Ok, non. Ça prend 5-5. Ok, good. Ça va en prendre un deuxième, par contre. Pas bien faire. Ah, fait que tu le trouvais solide, Sam? Un petit peu. Ça m'en prend 10. Ah, Sam, celui-là, il est-tu plus solide? Ah, oh. Nope. Bon, sacrement. Oh, wow, ça, c'est... Le... Et copper. On dirait que j'ai un super pouvoir de chien. C'est normal, on réussit. Japon. Japon. Ouais, c'est parce que Joey il a pas vu là, pourquoi quand je dis ça. C'est quoi ah, mais j'ai 150 de résine. C'est juste ça. Oh, Hogan, ça a déjà le kit. Ouais, voilà, parce que c'est quand même. Hey, fais donc spawner un serpent de feu. Là. Le serpent ah, ouais, c'est vrai, ça me prend des, ça me prend des bones. Parce que c'est avec ça que ça. Que ça se régénère. Eh oui, un shield generator un qui consomme des os. C'est assez macabre, merci. Oh, c'est bon, j'ai tout fait jammer mon réseau. Je t'en fous, mais. Tu FPS. Je vais en amener 4 stacks pour être certain. Toi, Sam, toujours en enregistrement? Oui, toujours. Toi, Sam, ça on va a, bien. On vient, on tu glitches toi aussi. On est à 56 minutes d'enregistrer sur une heure, sur 2 heures. Fait que... 2 heures? Ben oui, c'est 2 heures le débug. Voyons donc, Max. Ok, voyons donc. Comme j'ai le ducep. J'ai envie de j'ai le ducep. Mais où ma c'est la première fois que je pensais dire ça de ma vie, mais bon. Mais ouais, t'as beaucoup de poulets autour de toi, mon bras. Ouais. Yes, il marche! Oh, it's fucking working! Le shield est activé! Yay! It's working! It's working! Ah, nice! Working. Puis je peux le faire à l'intérieur en plus, c'est donc bien le fun ça! Fun. La seule chose, c'est que ça me prend. Ouais, je vais mettre. Il y a sûrement des gens qui vont écouter cette vidéo-là. A little bit. Oh! Ils sont masochistes. Je pense que. Faut payer ça, moi là! Hi Sam. Enfin, plus d'attaque de Sibonac de Hi. Harpie de je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est horrible. Oh boy. Provoque en moi un sentiment de rigolade tempête. Oh, c'est n'importe la wack. Toi Joey, c'est quoi t'es à ta base? J'étais à la forteresse des Ashland en train d'installer mon shield generator. Mais tu t'es téléporté dans quoi? Moi j'étais dans un mur. Je suis même pas là. Oui, je me sens dans un mur. Chez Joey. Ça sera pas long. Là, je présentement, je suis pas chez nous, je suis à côté. A little bit. Give it a little bit. Bien. C'est aussi, ça va être safe. Où le portail là? Yes, sir. Enfin, je suis assez content d'avoir ce Moses de Shield Generator là. Ok, je retourne chez nous. Désactiver bouclier. Bon, c'est quoi vraiment ça? En fait, c'est que le shield. C'est un dôme. Ouais, c'est que le shield, en fait, protège contre les. Parce que des fois, quand il y a des. Parce qu'il y a des tempêtes aussi dans les Ashland. Sauf que c'est des genres de grosses tempêtes de cendres, puis il y a des météores qui tombent du ciel. C'est pas très le fun. Puis surtout quand t'as des bâtiments, mais ça reste des pétés. Parce que des Ashland. C'est Greta Thunberg disait ce qu'on va avoir. Parce que des Ashland, en fait, c'est qu'il y a un effet de feu qui fonctionne. Fait mettons, t'as des buildings en bas, puis il y a du feu à côté. Et là, on va pas là, on va pas là. C'est l'autre. Mais c'est ça, ça fait que le bâtiment brûle. Mais avec le bouclier, justement, ça protège contre ça. Puis ça protège contre les projectiles. Un peu comme justement le activé bouclier dans Star Wars, les ennemis peuvent quand même traverser le bouclier, mais pas les projectiles.
Et aussi, ça empêche, en tout cas, ça effraie un peu les ennemis volants d'attaquer tout de suite. Fait que ça répulque les ennemis. D'ailleurs, cette commandite a été obtenue par ShieldGenerator.com. Mais ça, le stack peut-être pas. Heures du matin. Ouais, tu voulais me redonner mon stock là. Je vais te redonner le tien. Là. Ouais. Ça sera pas long. Je vais prendre mon armure de pas bon. Tu fends de mon armure. Bon, redonne-moi la mienne à cette heure. Redonne-moi la mienne. Est-ce que t'es entré? Je vais réparer mes affaires. En train? En train? Capable, you cannot un-camp it, mais oh, ok, je comprends. Ouais, c'est bon, il y en a qui a la moitié de la durabilité qui a passé, une chance t'avais l'armure. Ben oui. Ben, grazie, la ragazza. Ouais, fait que Max, t'as-tu des scale hide encore? Je pourrais me mettre mon armure complète. L'armure, ça pas long. Ça me prend juste du scale hide. Pour j'en ai, mais j'ai quand même le goût d'en avoir encore un peu. Là. As-tu du scale hide, mon... Je viens de te le dire, mais je veux garder... Mon cher Max. Bonne question. Oui, mais écoute plus. Il m'aime pas. J'ai dit, dans notre souffrance. Ben ouais, c'est le gars qui a donné son meilleur armure du jeu pour te protéger, il voit quel gars t'aime pas. T'as. Il m'aime pas! Essaye de faire sa victime. Eh oui. Ah, il a écouté le debrief lundi, c'est bon ça. Ah, c'est vrai, je vais mettre ma bouffe que j'ai de besoin. Dessus, il n'y a pas encore de caribou qui m'ont dit ouais, faut pas dire debrief. Faut dire un autre mot. D'abord. Non, il n'y a personne qui me l'a dit, en tout cas. Il y a des gens qui ont parlé de grand remplacement. Ça, c'est spécial. On dirait Joey. C'est très spécial. C'est spécial. C'est spatial, spécial, épicé. Exact. Moyen qu'on puisse garder le total de vie, le total de stamina. Parce que du fait que le total, le dénominateur descend aussi. C'est le fun, ça soit juste le numérateur. Ben en fait, il y avait un mode que j'utilisais avant mais qui marchait plus. Que genre à seconde que tu bouffais, t'avais vraiment le montant maximum jusqu'à temps que la bouffe soit plus là. Genre arrête. Au lieu, genre, tout le temps dégradé jusqu'à temps que tu n'aies plus, genre. Ouais, c'était pratique. Ouais. Un peu trop abus, mais c'était pratique. C'est les potions de poison, je n'ai plus de besoin. Ben, c'est où, lui? On va mettre ça là. Et puis donc, c'est que tu disais ça, Dredd, comme quand que le Saint-Esprit arrive. Potion de Ether. Si je vais en faire une shot. Vas-tu apparaître des peaux de lapin? Right. Magiciens, ils font apparaître des lapins d'échappée. Ils font apparaître des lapins d'échappée. Non. Bon, vous voici, messieurs. Il va chialer, il va chialer. Je vais faire voir. Vous n'avez qu'à me suivre. Ouais, c'est vrai, c'est Mac, il va falloir que tu m'entendes ton armure, par exemple. Ouais. Voilà. Voyez ce que j'avais mis dans le coffre. Il est capable de le pogner. C'est ça, là, qui sac son requin avec. C'est là, bizarre. C'est ça. Pogne-moi, Esther, Oh! Y'a quelqu'un qui a crafté de quoi avec de la Aether, puis avec mon Aether, puis je sais pas. C'est spécial. Avec ton Aether? Ouais, parce que du stock a été crafté avec mon stock, j'en ai moins qu'avant, puis je m'en suis pas servi. Étrange. C'est où? Ça doit être ça, Marc. Regarde. Bon, bien sûr, vous m'avez qu'à me suivre, je vais vous présenter. Votre nouveau
chez vous en ce territoire très lugubre. Avec notre nouvelle Airbnb. Messieurs, bienvenue à la forteresse de Pandémonium. Bon matin. Le dernier bastion de civilisation avant l'enfer. Ah, j'ai pas accès aux balistes. Ah ben oui. Ouais, ils sont pas chargés parce que justement ils peuvent justement tirer sur tout ce qui bouge, incluant nous autres. Fait que je les charge uniquement quand je me fais attaquer. Oui, je pense que tu ramènes des trophées, mais il faut qu'ils ciblent juste 7 ennemis en particulier. Ouais, mais sachant qu'il y a beaucoup de différentes sortes d'ennemis ici, t'en mets juste un trophée, c'est pas suffisant. Ouais. Ouais, il y a de la belle lave là. La porte d'entrée est ici. Double coded, of course. Les grilles. Et, je vais désactiver la ward, puis vous allez pouvoir cliquer dessus, vous allez pouvoir y avoir accès. Ce sera pas long. Where is the ward again? Parfait. Good. Ouais, double coded. Les cages en fer. Et les portes principales sont faites en flame metal. C'est les portes les plus tough qu'on peut trouver. Là. Fait que... Et comme vous pouvez voir, j'ai mis les pics en conséquence. C'est quelle sorte de pic que c'est ça? C'est des pics en ashwood. Oh! Ah, sortez, vous êtes pas prêts à sortir de là. Bonjour! Bonjour, pas game! C'est vrai, je vais vous mettre au pire chez nous, vous irez cliquer sur la cartographic table, comme ça vous allez pouvoir voir toutes les l'exploration que j'ai faite dans ce territoire. Ça fait mal. Ben regarde, on va aller pas trop loin, je vais vous montrer mon ancienne base qui est proche d'ici. Bon matin. Je vais vous escorter, là, fait qu'au moins ce serait possible. Par contre, si vous avez des potions de résistance au feu, c'est vrai, venez-vous sur vous? J'en ai pas pendant tout. Je vais vous en donner une à... Même si t'as ton truc de wolf et t'as... Je vous conseille fortement... Je vous disais que vous allez en consommer pas mal de ces potions-là ici, je vous le confirme. Par contre, ça vous protège pas même de la lave. Fait que s'il vous plaît, restez le loin possible de la lave. Même moi, en full armure de même, je t'offre pas longtemps là-dedans. Watch out le blob. Mais si je veux du loot. Ah, oh, le loot, j'ai rien looté encore à date là. À base, j'aurais reset le blob, malheureusement, la seule manière de le buter, c'est vraiment de le laisser exploser. Mais il fait beaucoup moins de dommages quand. C'était pour. Éloigne-toi quand même, Max. C'est ça. Il fait beaucoup de. Bon Saint-Ciel. J'ai du Ghost End. Watch out, un warrior. Ils font mal en tabarouette, eux autres. Même full armure, moi, je sais ça. J'ai quasiment envie de perdre la moitié de ma vie, ça va se battre contre ça. C'est épais à deux mains, là. Ok, ici, je vous conseille de jumper. C'est assez serré, mais c'est faisable. Courez, puis allez vite. Je rentre mon ancienne base, qui est un ancien camp de nains. Je me rappelle de celle-là. Ouais, je viens de mettre un shield generator ici aussi. Là. Il y a deux portes, il y en a une là, puis il y en a une autre à côté ici. C'est quoi le fuel que tu mets là-dedans? Des os. Ah ouais, ça prend des os. Ah, il y a un ennemi à l'extérieur, ils sont pas là. Oh, je me souviens d'avoir été tout à l'heure. T'as l'air de brasser. Si vous voulez un peu de l'eau, il y en a ici, là. Oui! Tu l'as pris, je pense. Ouais, c'est pas moi qui l'ai eu, ça. Un cher bon. Charred bon. C'est avec ça que tu fais justement les bolts pis les...
Ben, c'est avec tout ça, tu fais pas mal tout en fait. Les armes, des armures, des trucs comme ça. Puis... Watch out, les archers, ils tirent beaucoup de flèches aux autres. Ils en tirent une, mais des fois ils. Et c'est ça. T'es où? Ben. Ah, oh, c'est un Ashvin. Problème. Une étoile en plus. Problème. C'est ça, hey, ben regarde, Max, veux-tu rencontrer la nouvelle créature que tu peux t'aimer? Ouais, ben c'est sûr que je m'en viens voir ça. Oh, ouais. Tu peux même les monter, eux autres. Ouais. Les Ashvin, est-ce qu'ils se désajvinent? Je sais pas. Oh si non, Sam a attiré une Valkyrie. Je peux tuer. Non, ma base, esti. Je veux y aller, moi, à l'intérieur de la base. Et où la petite porte? Il y en a deux portes. Eh, mais je suis pas capable, j'ai pas accès. Ah, oh, si bol, à cause de la. Pas désactiver Howard, ce sera pas long. Si bol. Ben oui. Et c'est pas pensé à ton affaire, là. Ok, j'ai désactivé, c'est beau. Et où le spot? Ça fait 8 fois que je tourne. Il y en a deux. Elle est là, à ta droite. Ah. Ah non. Non! Ok, la Valkyrie, j'ai pas le choix de la péter à grand coup de flèche parce que elle m'aidera pas sinon. À grand coup d'amour. Ça, des flèches de feu, ciboire, pas ça, vend tout ce que je veux. Hey, le cheater! Je vous fais. Je pensais que t'étais bien dans le trou pour ta base. Ben, c'est sûr que là, elle a comme pété pas mal, là. Ils m'ont fait envoler dans le feu, les astiques. Des flèches en argent, c'est-tu bon, font-elles? Un peu, mais c'est pas ce qui est le top. À part le spirit damage, là, mais c'est plus du dommage overtime. Mais la quantité de vie qu'elle a, je te dirais que c'est bon. Une Valkyrie, elle a pas l'air faite. Ouais, mais c'est une Valkyrie undead, là, tu sais. C'est Fallen Valkyrie, là, tu sais. C'est... En fait, c'est la version undead de, tu sais, la madame qui t'a trimballé au début quand t'as commencé le jeu, là, puis que tu te faisais emporter sur Valheim par un genre de pépite volante, ben c'était ça. Mais elle est vivante. Ghost End. Oh shit. Oh non! Max! Moi, oh, c'est pas grave. You killed my friend! C'est pas mal de Gaustin. On se croirait dans un livre de Jane Austen, de Maggie Gaustin. Bon, je l'ai eu. Si je touche à. Off the shield generator, ça fait quoi? Ça désactive le shield generator, je te conseille pas ça. Je sais bien. Ce n'est pas conseillé. Mais c'est quand même comique. Ben, au moins mon mur interne a tenu, mais ça va être ma structure de ma base. La structure d'origine a carrément pété. Là. C'est, bon. Moi, c'est important, les infrastructures. Bon, Sam, attends, je vais te donner du stock. Là. Les infrastructures structurantes. Je parle comme Trudeau. Ça. Trudeau, il parle pas d'infrastructure. Prends tout. J'ai 474. Ben là, voir que tu drops des affaires. Du Carsten, anyway, il y en a partout ici. Fait que c'est... As-tu vraiment besoin de Wisp? Non. As-tu vraiment besoin de Black Marble? Oui. T'as pas été porter tes affaires chez vous avant de venir? Non. Oups. Ah, du sulfur. Ah, oh, c'est de la résine. Non, parce que c'est jaune. Tu dis que quand c'est jaune, c'est que c'est du sulfur. Ouais. Bienvenue des Ashland. C'est pas mal ça. Comment vous avez. Welcome to Ashland. You die on your. You got chased by a fallen Valkyrie on your first day. It's awesome. Ah, c'est pas mal d'un day to day, je te dirais.
vrai ma mère. Hey, l'autre, l'archer qui rentre dans ma base. Sentiment de rigolade. J'ai-tu encore le truc ici? Non, j'avais pas mis la table. Résine? Ah, mais veux-tu looter Sam? Viens looter ça ici. Ben, je vais aller porter mon stock chez nous parce que. En tout cas, tout ça pour dire, anyway, cette base-là, c'était plus. La seule raison pourquoi je la gardais encore, parce que justement, il y a de la. Là, on, là vous la voyez pas parce que justement, là, je les ai récoltés, mais il y a de la fille de Louis de l'intérieur, une genre de plante, là. Fille de Louis? Ouais, c'est du stock pour des recettes de bouffe. Puis c'est une genre de plantation naturelle, un peu. C'est pour ça que je garde la place encore. Après que je m'en sers plus bien. Il y a des choses qui poussent dans les Ashland. Oh oui. Oh que oui. Des choses qui poussent dans les Ashland. Non, c'était pas Ashland, c'était pas le nom d'une des deux jumelles Olsen. C'est-à-dire Ashland, c'était pas le nom du gros lion dans Narnia. Ouais, faire un jeu de mots encore plus poche là. Ouais, genre, c'est ça. Ouais. C'est vrai, femme italienne. Non, c'est pas vrai. C'est juste extrêmement pas généreux, c'est comme. Alors, je pourrais le faire pour le. Oui, ben oui, mais là tu l'as dit, faut que tu le dises. Oui, oui, ben oui, oui. Paye pour ça, là. Ok, je vois pas, je vais looter. Quoi t'es bien? Je vais looter le stock pour. Enlève le laine, donc la terre de là, puis ça te fait le dresser un Pokémon. Ouais. Jeu de mots poche. Ultimate poche. Ne conseille pas le suicide à personne. C'est un crime au Canada. Est-ce qu'on retourne à Vortarès, Max? Ah, il est déjà parti. Ok. J'ai rien dit d'abord. Mais pour ce type de quoi, Sam? Pour ce type de malencontreuse éventualité. Ah! J'ai des scale hide. Voilà mes scale hide. Comme vous pouvez voir, chers auditeurs, c'est une terre aride et assez volcanique. Qu'est-ce que je vois au loin? Ah, le Saint-Esprit. Ah, là, il y a une autre Valkyrie en plus proche là. Elle est belle, la Valkyrie. Elle vole par là-bas. Au moins, elle est loin, elle ne verra pas. Le pire que la Valkyrie, c'est la Vache-Kyrie. C'est la même. Oh, ils sont où mes sons de cricket, là? Autant ton delivery pourri. Ouais, ça marche plus. Qui tape après mon bouclier là? C'est une pépite dehors, je pense que c'est fait dessus par des pics. Ouais, c'est ça, mais des pics tout autour de la forteresse qui sont pas spawnables, par exemple, ils font déjà des dommages en plus de ceux que j'ai mis en avant de la porte là. Ouais, c'est ça qui est pratique de la forteresse, justement, ça protège pour de vrai. Ouais, c'est ça, il y a une maudite. Valkyrie qui vole à proximité tout le temps. Là. Alors, on est vendredi. Présentement, pas présentement, mais demain, on est vendredi. On est vendredi. Au présent et non pas au futur. Certains d'entre vous font leur lavage présentement que vous écoutez cet affreux podcast. La question que je me demande, c'est qu'est-ce qui bouffe les Axven? Les quoi? Qu'est-ce qui bouffe les Axven? Ouais. D'accord. Pour les apprivoiser. Ah, c'est ça prend des smoke puff, me semble. Smoke puff. Ça ressemblait un peu trop à Pokémon, ça. Un peu trop, en effet. C'était le bus, c'était le Jigglypuff. Metal Cutter. Pourquoi ça sert Metal Cutter? Mais ça où, après quoi? Après la Black Forge? Ouais, c'est une extension de la Black Forge.
Bon, mais... Ah, maudite merde. Maudite merde. Pas facile, la vie d'artiste. C'est pas facile, la vie d'artiste. Missing requirement. Da, 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 da. Quoi ça sert déjà que je viens de mettre là? Ah non, moi sérieux là. Not her again. Tirez dessus, si vol. Aïe aïe. Là, je suis en danger. Il y a une affaire sur Star Academy. Et Ashwood. Ah, allez. Ghost. C'est pas les plus tough à péter, mais tabarouettes qui sont tannantes. C'est des maudits de Valkyrie, là. Valkyrie, Valkyra. Je savais que quelqu'un chanterait ça. J'attendais ce moment avec aucune impatience. Nous attendions ce jeu de mots avec impatience. Battering Ram, Passis. Ouais, c'est le bélier. C'est avec ça que t'attaques les forteresses des undead puis récupérer des matériaux spéciaux. Ballista, defensive structure that shoot missiles at anything that get in its way. Like you. But what? How I can create. The portal for the minerals I can get. Special, but no. The trouble is. Ah ouais, c'est rare pour ça, les shield generators. On peut les faire ailleurs que dans Ashland, puis ça fait que ça protège contre la pluie. Fait que, mettons, tu veux plus que, mettons, que tes bâtiments en bois arrêtent tout le temps de virer au vert, un peu comme, mettons, le quai, là, à la maison, là. Ben, on mettait un shield générateur là-dessus, puis plus jamais il sera au vert. La pluie pognera jamais là-dedans. Un parapluie géant de Jar Jar Binks. Oh, la vie, c'est beau, la vie. C'est beau, la vie. C'est beau, ce n'en sont que des beaux. Cheveux blonds, soleil. Écoutez, chers auditeurs, on est à peu près à 1h23, proche d'une heure et demie. Parce que la prochaine demi-heure, ça va être assez smooth aussi. Puis je pense que ça vaudra pas tant la peine de. C'est moi à part crafter, puis justement, continuer mes petites affaires et quoi que ce soit. Je voudrais bien relooter notre forteresse, mais je sais que nos chers deux amis n'ont pas encore le level ni l'équipement pour me suivre dans cette envergure. Ça, c'est pas trop pire. Surtout, mes gens, il est assez vite personnalisé, personnellement, en fait. Heck? Oh c'est non, quoi? non, tu me niaises là. Ouais. On est toujours en train d'enregistrer présentement. Ouais. C'est qui qui a mis qui a mis un trophée de Seeker puis une affaire de lapin dans mon. C'est de Seeker. Il y a un trophée de Seeker puis une cuisse de lapin qui flotte proche de chez nous, puis j'ai aucune idée pourquoi. Je me suis pas fait attaquer par des seekers récemment, j'ai rien droppé là-dedans. Ça, c'est
Ça, c'est-tu grave? Non, non, c'est ce que je trouve ça. Ah, c'est 4 cuisses de poulet en plus. J'ai jamais de poulet à la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, tout là. 12. C'est bizarre, ça. En tout cas, plus de poulet, je crache pas là-dessus. More chicken, yay. T'es en train de conclure sur le contexte que t'es comme arrêté dans ta dans ta boutade. C'est comme l'autre, c'est spécial. bon. Les whisks, je garde ça ici. C'est le wood. Et ça là, la résine, ça s'en vient ici. Le trophy. On met ça là. Ouah. Puis petit truc de. Ah, mais messieurs, vous savez quoi? Je vais mettre mes discoveries dans leur truc de la table de cartographie dans, au port. Comme ça, vous allez pouvoir y aller. Ok. Croyez-moi, j'ai fait quand même quelques recherches. Parce qu'en fait, il y a un mini. Ça, je vais avoir besoin de votre aide plus tard, pas pour tout de suite, mais il y a un mini boss, un peu comme dans les autres. Il y a un mini boss des Ashland. En fait, c'est que. Il y a une épée légendaire. Une épée assez. Une épée? Il n'y en a pas trois? Ben, je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est que pour faire l'épée, ça prend trois fragments. De la dite épée. J'en ai trouvé un. Puis supposément, je pense, pas sûr, mais je pense que le boss donnait deux autres. C'est carrément une épée en feu. Là. C'est assez badass. Là. Après qu'on se dit « she's on fire ». Mais je sais pas, par exemple, faudrait fouiller à savoir s'il y en a vraiment uniquement trois. Je sais que j'ai découvert deux spots, que j'ai déjà installé deux portails, donc c'est prêt. Il y a un spot aussi qui avait justement un seul fragment qui était assez facile. La seule affaire, c'est que les. Il y a un genre de spawner de squelettes pas tant de trucs autour, mais c'est un spawner spécial qui fait rien que spawner des levels des deux étoiles. Donc c'est assez tough. Puis la dite entrée de la grotte, elle est. Bon, c'est fait, Sam. You copy some discoveries from the table. Ouais, c'est ça. Puis la porte, en fait, ça va me prendre un. Ça va me prendre à la limite une catapulte pour péter l'entrée. Parce qu'il y a comme un genre de structure autour, mais il n'y a pas de porte dedans pour accéder à la fameuse grotte. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est un genre de guerrier squelette à deux, avec une épée à deux mains. Mais supposément que. Même avec le bone mass. Moi, je vois sur ta barouette. Même avec le bone mass. supposément qu'il tape fort, mais en tabarouette, là. Le bone mass normal? Ouais, même avec le bone mass, supposément, genre qui t'enlève. En tout cas, je connais pas les détails, mais de ce que j'ai vu d'un gars sur YouTube, supposément, genre qui t'enlève quasiment la moitié de tes points de vie d'une shot. Là. Il est vraiment fait fort. Mais ça reste un undead, puis ça reste qui est vraiment lent. Fait qu'à 3, je pense qu'il y aurait moyen de. À la gang de se le ramasser. C'est cool de mettre la chute. Par contre, je sais pas, c'est ça pour ce qui est de l'épée, c'est que si. Je peux pas croire qu'il n'aime, tu sais, pour les serveurs privés ou les serveurs justement online comme nous autres. C'est quoi le nom de l'épée? Ça a un nom spécial, mais assez récent, je vais te donner du stock, attends. Wait. Ça, et ça. Derrière toi. Et ça, bon? C'est le self-feed, Only Remand of the Fallen. C'est pas la lead org, je pense. Ça sert à quoi, cette bébite-là, cette affaire-là? Quelle affaire? Me donner, là. Ben, tu t'as pas débloqué des recettes? Non. Je vais aller voir dans mon truc, peut-être que j'en avais tantôt. J'ai pas tout. C'est pas long, je vais aller chez nous. Puis les smokes. Est-ce que si on met un dôme au-dessus de chez nous, les raids vont cesser? Je pense pas, non. Mais ça va aider un peu. Ça protège des projectiles. OK, l'épée s'appelle Dirnwind. Ouais, c'est ce que je voulais. Dirnwind.
J'ai un fragment de la lame. De lequel? Ben, Blade Fragment. Ok. Parce que t'as le hilt puis le tip. Ouais, ça je l'ai pas. C'est ça qui me manque. J'ai le milieu, mais j'ai pas le bout de top, j'ai pas le bout d'avant. Ça, cette épée légendaire va servir à fessier. Puis finalement, il y en a-tu une par map ou on peut la spawner? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Les fragments, Thirst Fragment, are not renewable. Français? Et on peut pas. Ils sont pas renouvelables, fait que je pense qu'ils sont limités. Ok, fait qu'il n'y en a rien qu'une. Oh! T'as peu. I want non, it. Non, moi aussi, je veux des épées. Non, mais il y a une sorte d'épée en flame metal, Sam. Ça, tu peux l'upgrader avec une des trois pierres qu'on va découvrir, là. Puis sérieusement, c'est malade. Là. Les trois pierres. Pierre d'Agenais, Pierre Bouchard. Non, là. Tu peux soit. Ben, en fait, l'épée de Black Metal, elle s'appelle. L'épée des Black Metal. Non, pas Black Metal, de Flame Metal. Ça s'appelle, l'épée s'appelle Nidhogg. 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 Ça, c'est un espèce de gros Christ de dragon. Ouais, voilà. C'est ça qui est marqué. Name after the devil, the evil dragon that dwells by the root of the world tree. This sword heralds doom for those who cross its path. Et justement, c'est que tu peux l'upgrader, puis tu peux avoir. Tu peux l'upgrader, mettons, avec un enchantement rouge de poison, de lightning ou de genre de blood, pas tant de trucs. En gros, le blood, pas tant de trucs, c'est que plus tu perds de points de vie, plus ton épée tape fort. Fait que c'est un genre de truc berserker un peu. Celle de poison, elle fait des dégâts de poison, bien évidemment, mais aussi, elle a 20% ou 25% de chance de router l'ennemi, en gros, de le rendre comme immobile pendant un certain temps. Genre. Et le lightning, c'est que ça fait des dégâts de lightning, et en plus, ça a 20-25% de chance de faire un genre de chain lightning, de les aimer à proximité, puis de faire des dommages aux ennemis autour. C'est assez pratique aussi. C'est la même chose avec toutes les weapons des Ashland en passant. Hein? Qu'on parle de la crossbow, qu'on parle de la lance, de l'épée à deux mains, des staffs. Pas les staffs. Les staffs ont des staffs spécifiques. Là. Les arcs, tout peut être upgradé avec ces trois enchantements-là. En fait, pour venir sur le Nidhogg. Sauf Dirwin. Là. Ouais, Nidhogg. Le fameux Nidhogg. C'est le dragon qui ronge les racines de l'arbre monde. Yggdrasil. On se plaint de ce gars. On se plaint de ce dragon-là alors que le gars il veut devenir végétarien. Ben, c'est ça, là. The evil vegan dragon. Mais, je sais pas. Sur le. C'est comme les hippopotames. Les hippopotames sont végétariens, je pense. Ouais, c'est pas là. Ça fait do not cross their path. J'aimerais ça avoir un hippopotame domestique. Je pense que je vais demander ça. C'est bon, ça va te coûter cher de citrouille, puis melon d'eau, puis tous les gros fruits que tu y lances dans la gueule tous les jours. Ouais, je suis pas loin de Compton. Un hippopotame, tu élèves ça à Compton. Après ça, tu peux mourir tranquille. Moi, je veux être architecte quand je vais être grand. Moi, je veux être si. Moi, je veux un hippopotame. Comme disait Passepartout, chacun ses goûts, chacun ses goûts. J'aime ça beaucoup, j'aime pas ça du tout. Chacun ses goûts, un point, c'est tout. C'est vrai ça. Donc, pas de king shaming ici. La gang de cisgenres hétérosexuels, missionnaires, style. Ennemis du latex. T'auras mon âge. Voyons, ils ont toutes défaites. Quand t'auras mon cuir. Les nationalistes sont pour le. C'est cuir, c'était son géant, c'était ça. Cuir, moustache.
sais pas ce que les auditeurs voient présentement. Ah, présentement, je suis retourné dans le tombeau de la Queen. Je suis en train de ramasser le marble parce que je faut que je ramène mon bateau chez nous. Et voici le fameux hôtel de la Queen. J'ai deux trolls qui viennent... Ils sont à mon campement principal. C'est vraiment drôle. Ah. Interesting. Je les ai tirés, toi. Drôle de son, pareil, le son d'ambiance. C'est pas ça ailleurs. Non, il y en a quatre. Il y a quatre trolls chez nous. Juste pas qu'ils détruisent ma base. Tu fais des amis? Oui. J'avoue que c'est toi qui les amis là. Ça serait drôle, mais non. C'est ton genre. Ils sont tous en train de... Ah, il y a un sixième troll. Tout en train de détruire. Bon, ben écoutez, chers auditeurs, je pense qu'on va terminer ça comme ça. La raid chez nous va être assez longue et pénible. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que la partie combat était pas mal plus intéressante que l'aftermath, mais quand même, ça a été un combat rude. Mais si bon, je suis quand même surpris, personne n'est mort au moins une fois. Ça, c'est. Ouais. C'était surtout grâce à la magie. Mais. Travail d'équipe. Pour ceux qui disent que je suis pas bon, là, c'est pas vrai. Ouais. Ça m'est bon uniquement quand on donne la meilleure armure du jeu. Yes. Oh, shit, that was too easy. Bon, mais merci beaucoup d'être là, chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié, même si c'était en différé. Je comprends qu'il y a le côté interaction en moins, vu qu'on n'est pas en live. On n'est pas avec vous officiellement en live, mais quand même, j'espère que ça vous a entertainé. Sinon, on se revoit une prochaine fois, cher ami. Fait que, bye bye. Bonne fin de semaine.